Moi, je m'appelle Cécile Le Talec, je suis artiste. Cette œuvre, qui s'intitule Atlas des partitions silencieuses, a été produite dans le prolongement d'un projet que j'avais initié en 2019 au Maroc, dans le Haut Atlas marocain. Donc c'est un tapis de sable fin, blanc, et les motifs qu'on voit à la surface du tapis sont des pictogrammes qui s'inspirent des écritures secrètes utilisées par les tisserandes berbères du Haut Atlas depuis des siècles. Et c'est une écriture de femmes, pour les femmes, transmise par les femmes. Donc ça veut dire que la communauté masculine ne comprend pas de quoi il s'agit dans ces différentes écritures. Alors moi, je me suis inspiré de ces pictogrammes et puis j'en ai rajouté et j'ai refait plein d'autres compositions à partir de ça. Il n'y a pas de traduction verbale qui est donnée. Par contre, j'en ai fait une traduction sonore qu'on peut entendre diffusée par le haut-parleur. C'est une œuvre qui a été réalisée en 2020 et qui avait été présentée au Centre d'art contemporain Les Tanneries d'Amilly. Elle était similaire mais non identique, puisque c'est une œuvre qui a géométrie variable. À l'issue de cette présentation, j'ai invité David Drouard, un chorégraphe et danseur, à venir détruire par une chorégraphie l'ensemble de la composition. Alors effectivement, c'est une œuvre monumentale, mais néanmoins très fragile. Cette œuvre, elle a été conçue aussi dans cette idée de destruction et ensuite de recyclage. Alors j'ai réfléchi à la démocratie, j'ai regardé. Ben, ça vient de démos, donc le peuple, la population non genrée, donc ce qui est plutôt bien. Et puis cratie, qui est commandée, gouvernée. Et donc une démocratie féministe, ce serait finalement une démocratie où tous les hommes seraient féministes. J'étais étudiante, j'étais très engagée dans les années 80. En poursuivant ma carrière d'artiste, en étant mère de deux filles, dont l'une maintenant est poète et l'autre architecte, en étant professeur en école d'art et à l'université. Parce que le féminisme, c'est pour moi une question de transmission, de pratique, d'expérience, de vie, d'engagement et de positionnement. L'idée d'une délocalisation de la Biennale est vraiment une idée excellente. Moi, je la connais bien, cette ville, forcément, parce que j'habite à côté. Elle ne bénéficie pas toujours d'une bonne image, malheureusement, alors qu'il y a un patrimoine industriel qui est quand même assez colossal, et que là, elle est vraiment en train, il me semble, de se réveiller, de s'ouvrir. Là, les choses se font, se construisent, vont se faire et finalement inscrire la Biennale ici d'architecture et d'art me semble une excellente idée.